Hey! Hoyo Minasan, c'est Gunsho, et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4 pour continuer mes aventures. Donc voilà, donc là, c'est fini, l'extension du moins Farbor est terminée. Donc voilà, donc c'est parti pour continuer mes aventures. Voilà. Bon, on va sortir de... par là. Ok, ouais, je suis sorti. Juste pour savoir, là j'ai mis la caméra en plus grand. Après, je sais pas si c'est la plus grande taille, mais je préfère la moyenne quand même. Mais bon, ah bon, je gagne des points d'XP comme ça sans rien faire. Quoi, je suis lourd ou quoi? Ah ouais, ah j'ai un niveau aussi. Ok. Bon allez, on met dans la force. Comme ça, j'aurai pas de soucis. Que de soit. Ok, il y a que 10 points, sérieux. Hey. Que puis-je faire pour vous? Voilà. Bon allez, je vais comme ça. Ah mais ça fait chier, j'ai un petit... j'ai pas beaucoup de poids. Mais d'où vous m'attaquez vous? Crevez, bande de forêt. Hey! Allez voir s'il avait quelque chose d'intéressant sur lui. Ok, j'ai du point d'XP qui a fui comme ça en mode. Putain mais... vas-y, ils sont sortis d'où là? Putain mais what the fuck? Putain mais c'est la sortie des enfoirés là? Ah c'est bon, tu tombes. Même pas! Sérieux? Même pas, ça me donne pas envie de la prendre. Oh putain! De la merde. Je sais pas si je suis rentré dans ce bâtiment. Je
Achou. C'est, j'ai dû rentrer dans le bâtiment. Mais bon, et bref. C'est pas ça que je voulais faire au début. Alors. Espion sauteur. Ah, mais je vais faire ça. Enfin, je pense que je vais finir assez rapidement alors. On va dire ma série sur Fallout 4. Du moins. Mais vas-y là. Vas-y, d'où tu m'attaques toi là-bas avec sur ton perchoir là. Ah ouais, tu vas crever. Et voilà. Ok, maintenant il faut aller où? Ah et aussi c'est à Brick là qu'il faudra que je visite un jour. Ah ces jours il faudra, ouais, enfin sur la map je crois qu'il y a encore plein de trucs à chercher, enfin je sais pas, bref. Quand même j'ai des endroits qui sont pas découverts. Après je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Mais bon, ça je verrai plus tard. Mais le plus important c'est faire ça. Ok, bon. L'armure actuelle est plus résistante, mais j'ai pas des passifs et tout, trucs de fou là. What? Vérin, ouais. En fait, je dois juste les créer là, c'est ça? Allô. Connétable Ingram. Eh bien voilà, 4 vérins terminés et fonctionnels. Beau travail. Pourquoi il ne peut pas encore se déplacer? Dès qu'on met les vérins en place, on pourra monter rapidement. Les gens. Hey, où est-ce que vous allez? On a presque terminé Prime. Excusez-moi, Connétable Ingram. Eh bien voilà, 4 vérins terminés et fonctionnels. Beau travail. Juste à temps. J'ai terminé la restauration des fonctions de base de Prime. Il est prêt. En fait, il devient difficile d'expliquer au système pourquoi il ne peut pas encore se déplacer. Dès que mes scribes auront mis les vérins en place, on pourra monter rapidement les bras et les jambes. Ce qui nous amène à votre prochaine tâche. Prime pourra bientôt marcher et parler. Mais il lui manque un dernier élément d'importance. Ses bombes nucléaires. Sans elles, ces systèmes offensifs ne seront pas optimisés. Il utilise quoi comme type d'arme? Il est équipé de deux systèmes d'armement. Son laser oculaire et sa charge de bombe nucléaire. Le laser peut viser et éliminer un ennemi à des centaines de mètres avec une précision incroyable. Ces bombes sont des versions modifiées des Mark 28.
celles qui étaient lâchées par bombardier pendant la guerre. Chacune de ces bombes a une puissance équivalente à 3 ou 4 gifles de Fatman. En bref, quand elles font mouche, il ne reste plus grand-chose. Son laser est quasiment prêt. Mais sans les bombes nucléaires, l'efficacité de Prime au combat est réduite de moitié. On va faire ce cas. Aussi, je vais faire un saut au supermarché du coin. Très drôle. J'aimerais que ce soit si simple. Prime est conçu pour armer de bombes nucléaires Mark 28, celles qui étaient lâchées par bombardier pendant la guerre. Comme le Commonwealth était l'une des principales bases avancées de l'armée de l'air, on pensait en trouver facilement ici. Mais depuis qu'on est arrivé, nos équipes de reconnaissance n'ont pas réussi à en localiser une seule. Effectivement, c'est un problème. Sans ces bombes nucléaires, il n'aura pas la puissance de feu nécessaire pour attaquer l'Institut. Fabriquer les bombes. Je ne pourrais pas les fabriquer, ces bombes ? J'ai bien fabriqué les vérins. Je pourrais vous fabriquer des centaines d'enveloppes de bombes en un rien de temps. Mais on n'a rien à mettre dedans. Les Mark 28 ont une charge nucléaire très spéciale, qui nécessite un parfait équilibre des matières fissiles pour pouvoir exploser correctement. Ouais. C'est comme si je voulais vous faire un cocktail, mais que je n'avais plus une goutte d'alcool. Ah, ça serait con, ça. Avant de baisser les bras, sachez que tout n'est pas perdu. Le connétable Quinlan a trouvé des dossiers concernant un complexe militaire qui était utilisé pour entreposer des armes nucléaires. On est pratiquement certain de pouvoir y trouver des réserves de bombes Mark 28. Le problème, c'est que ce complexe se trouve quelque part dans la mer luminescente. J'y vais tout de suite. Ouais. Parce que c'est exactement ce qu'on allait vous demander. Le scribe Hélène a établi un point de communication en bordure de la mer luminescente. Je vous suggère de vous rendre d'abord là-bas et de mettre au point un système de signal avec elle pour permettre l'évacuation par air des bombes quand vous les aurez localisées. D'ici à ce que vous reveniez, on devrait être fin prêt à réveiller Prime. Enfin, j'espère. Bonne chance, chevalier. Ok. Bon. Ouais, bah c'est pas fini hein. Prime devrait retrouver tout son potentiel. C'est pas du tout fini mon cher. Si vous cherchez des munitions ou des modules pour vos armes, le connétable Tigan. Ah putain, mais il va arrêter de faire nuit, je vais pas pouvoir utiliser ça à pleine puissance. Ok, donc là on doit partir à la truc luminescente, Beauty Chouette. Ok. Bon, je vais chercher mon armure, hein. Enfin, ça sera plus sage. Je crois que je vais leur laisser des choses, hein, parce que là franchement je suis cavillo. Non, à l'intérieur normalement. C'est bon, 440, 80. Ok, allez, c'est parti. Je vais voir si je peux l'améliorer. Là, j'en ai moi des armures, m'empêche. Ok, bon, j'ai l'arme, j'ai la, enfin le plastron qui est en plus 5, enfin niveau rang 5, avec la tête, et le reste est rang 4, ouais. Donc ça va. Normalement, je suis assez résistant. Ok, donc maintenant c'est le temps d'y aller là-bas. Ok, nous voilà sur les lieux. Là, j'allais tirer dessus. Sérieux. Scream.
Ça fait plaisir de vous revoir, chevalier. Vous en avez fait du chemin depuis que vous avez débarqué au commissariat de Cambridge. Ouais. Comment ça se passe, là-bas ? Ça va plutôt bien. On se fait attaquer par des synthétiques de temps en temps. Mais jusqu'ici, on a réussi à les repousser. Grâce au renfort et à l'appui aérien, je dirais que le site est sécurisé. Descendez-les tous ! What ? Partie du script ou quoi? Je crois pas que ça fait partie du script. Ça me dit quelque chose cet endroit, je crois que je suis mort plusieurs fois. Ou une fois ou deux, je crois. Ok, il y a un hélicoptère qui s'est fait défoncer. Je comprends mieux. Putain, mais où? Soldat perdu, s'il y en a eu. Je trouve que cette armure elle est trop stylée, putain. Ok. Script, Hélène. Ça fait plaisir de vous revoir, chevalier. Vous en avez fait du chemin depuis que vous avez débarqué au commissariat de Cambridge. Merci, Hélène. Il est encore debout, j'imagine. On fait ce qu'on peut. On se fait attaquer par des synthétiques de temps en temps. Mais jusqu'ici, on a réussi à les repousser. Grâce. Voilà, ça on l'a déjà entendu. Et les ghouls sauvages, elles vous posent toujours problème? Depuis qu'on a un vertipteur, ça risque pas. Bon, je sais que vous n'êtes pas là pour discuter, alors je vais faire court. Nos hommes ont installé l'équipement dont on aura besoin pour vous localiser quand vous aurez trouvé les bombes. On a bricolé cet émetteur de détresse à impulsion pour qu'il diffuse une tonalité particulière. Quand vous trouverez les bombes. Ah, mais. Revenez, je vous ai pas encore donné l'équipement nécessaire, chevalier. Putain, mais. Vas-y, quoi, sérieux, là, le Zartron, là. Vous en avez fait du chemin depuis que vous avez débarqué au commissariat de Cambridge. Ouais. Merci, Hélène. Il est encore debout. On fait ce qu'on. Bien. On se fait attaquer par des. Ok. Grâce au renfort. Ne sous-estimez pas l'Institut.
Surtout avec la technologie de téléportation dont ils disposent. Ne vous en faites pas. On ne les laissera pas nous chasser d'ici. Bon, je sais que vous n'êtes pas là pour discuter, alors je vais faire court. Nos hommes ont installé l'équipement dont on aura besoin pour vous localiser quand vous aurez trouvé les bombes. On a bricolé cet émetteur de détresse à impulsion pour qu'il diffuse une tonalité particulière. Quand vous trouverez les bombes, placez l'émetteur et on s'occupera du reste. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à retourner voir le connétable Ingram pour lui faire votre rapport. Ok. Pourquoi je dois utiliser cet émetteur ? À moins de trouver une station radio dans la mer luminescente, vous n'aurez aucun moyen d'envoyer un signal conventionnel. En fait, les impulsions de l'émetteur traversent directement les interférences. Ce qui fait qu'on pourra les capter tant qu'on reste à la bordure. Je sais que c'est pas la première fois que vous allez dans la mer luminescente, mais... pensez à bien surveiller votre contact déjà. Ah mais... vas-y là, sérieux ? Putain... heureusement que le truc qui me l'a donné quoi, sérieux. Putain de merde là. Allez c'est parti, en plus on kiffe encore nuit. Mon arme sera très efficace. S'il pleut, c'est charmant. Pas dans l'eau. Non, pas dans l'eau. Pas dans l'eau, pas dans l'eau, pas dans l'eau. Oh, si on se tient. Évitez l'eau. Évitez vite. J'aime pas l'eau, surtout en armure, c'est chiant. Bon ça va, elle est pas profonde, mais quand elle est profonde, en fait, tous les systèmes sont ralentis. Je sais pas si j'ai découvert cet endroit. Et... ah non, même pas. Bonjour, bonjour l'église. Y a-t-il un moyen de... ah bon. Tu détectes des... ah ouais qui a envie de prier? Putain. Ça égrouille de goule. Ça pue un peu la radie. En même temps, c'est une église, on va dire, enterrée. Voilà quoi. Donc à tous les. Oh putain, ça grouille encore deux.
truc là, non? Quel coffre? Tu as un coffre? C'est pas celui-là. Il y a un coffre quelque part. S'il recharge une coffre, c'est... il a autre chose à faire, mais non, il y a un coffre. Mais où? En tout cas, là, il y a un coffre en bois. J'ai récupéré une clé, mais... Ah bah, il y a le coffre. Putain, mais ils peuvent pas filer des armes. Bouge panier toi. Ok, bon allez, on y va. Oh, faut que j'aille tout droit. Hein. Non, il y a peur là, non? Enfin, il y avait un aéroport. Preuve de verticaire. Le truc. Option audio radio. Larry, Bucky, si vous m'entendez, arrêtez de vous tourner les pouces et venez me chercher. Je suis pris au piège dans un trou à rats en plein milieu de la mer luminescente. C'est un peu vague comme indication, je sais. Bon, Larry. Tu vois le clocher d'église qui sort de l'eau? Celui qu'on a vu il y a une semaine. Une fois là-bas, tu vas vers le sud-ouest. Et tu marches jusqu'à une grotte. Elle est bien planquée. Et il y en a peut-être plusieurs, mais... c'est là que je suis. J'ai vachement sous-estimé les radiations. Alors ramène-moi du Radix et du Radoé. Je sais pas comment il a fait l'autre fois, Bucky. Il devait avoir une meilleure combinaison. Thank you.
pourquoi j'ai plus de munitions. Ah mais... Je sais qu'il y a une grotte. Ne me touche pas! Non! Ne me touche pas, enfoiré! Putain, mais ce flingue il fait aucun dégât. Ah putain. Putain, pourquoi je... What the fuck? Tu vas crever, saloperie. Oh my god. Oh. Cette grotte là. Putain, mais y'en a combien? Il y en a combien de ces créatures, bordel? Normalement, il y aurait la grotte, elle serait là, la grotte. C'est là hein. Non, c'est pas celle-là. Ah,
Putain, mais il y en a combien de ces saloperies? Question. Si j'ai bien compris, c'est sud-ouest. Donc ça doit être vers là. Je vais tester tout droit là, à partir de là. Tiens la mouche. Merde, c'est une légendaire. Saleté de mouche. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai ramassé, je vais voir ça plus tard. Nom d'une mouche de merde là. Ah ouais, il y a une grotte là, il y a une grotte, ouais. Une grotte. Y a-t-il une grotte dans le coin? Comment il a fait l'autre fois, Bucky? Il devait...
allez avoir une meilleure combinaison, ou je sais pas quoi. À partir de maintenant, plus personne s'aventure dans la mer luminescente. Lucky va le garder un bon moment sous vos corps. Je suis trop malade pour bouger. Mais où l'entrée, bordel? Alors, ah, je vais me terrer ici en vous attendant. Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans 3 secondes. Larry, Bucky, si vous m'entendez, arrêtez de vous tourner les pouces et venez me chercher. Je suis pris au piège dans un trou à rats en plein milieu de la mer luminescente. C'est un peu vague comme indication, je sais. Bon, Larry, tu vois le clocher d'église qui sort de l'eau? Celui qu'on a vu il y a une semaine. Oh, une putain, fois là-bas, tu vas vers le sud-ouest et tu marches. Ben, rip, hein. Rip, monsieur. Ok, c'est fait. Il est devenu tout carbonisé, quoi. Allez. Bon, ben. Je vais aller à mon objectif premier. Ah mais... Bon. Je vais juste faire une courte pause, je reviens. Ok, bon. On va un petit peu avancer, je vais tuer ce machin. En attendant, focaliser un peu l'écran juste au niveau gauche en haut, au niveau de la cam. Et dites-moi si c'est mieux comme ça ou comme l'autre. Parce que j'ai eu des retours, enfin j'ai eu du moins un retour sur Arma 3 comme quoi la vidéo était petite. Donc j'aimerais bien des avis. Ah putain. Ah la sale bestiole. Merde. Ok, je me disais le truc qui est bugué. C'est pas faux. Voilà ce que j'ai. Voilà. Non, j'ai des poches normales. Headshot, motherfucker. Bon, j'arrive de près mon objectif. Cet épisode il a duré un peu longtemps, donc voilà. Donc en gros on va s'arrêter quand j'aurai découvert l'usine, ou je sais pas ce que c'est ici. Quand je serai ici précisément, on va dire là. Voilà, la fameuse île. Le nail. Je me débarrasse de ça. Voilà. Hey, prenez tout ce qui pourrait être utile. Allez voir ça. Tout le plaisir est pour moi. Allez voir s'il y a quelque chose là-bas. D'accord. Prenez ce qui pourrait servir. Ok, bon. Mais je vous dis à plus tard pour d'autres aventures sur Fallout 4. C'était Guincho. Bye bye.